brillamment. C'est sa 13e victoire de la saison. Qu'un titre de champion de Normandie, Julien Roussel. Vous l'avez vu terminer 3e et 4e place. Victoire de France, il a cherché la... Bien Julien, on est le 2 février 2020, alors là tout à l'heure tout le monde disait dans une semaine tu arrêtes, c'est vraiment définitif, tu as tiré ta révérence à Vimoutier samedi après-midi. Samedi après-midi, ça sera mon dernier cyclocross de ma carrière. Oui, je tire vraiment ma dernière référence à 38 ans, je pense qu'il est temps et ça fait 30 ans que je fais du vélo de compétition à haut niveau et il faut passer la main. Il n'y aura pas de regret là, c'est sûr. Non, pas de regret parce que j'ai d'autres projets pour qui restent dans le vélo, qui restent dans le cyclocross et donc voilà, donc je vais rester quand même un pied dans l'étrier. J'ai mon fils qui commence aussi le vélo, donc ça va me permettre aussi de le suivre et puis d'essayer de suivre d'autres jeunes que je peux m'occuper avec avoir plus de temps pour m'occuper d'eux. D'accord. Alors tu as commencé le cyclocross il y a combien de temps? C'est presque au siècle dernier? Il y a peut-être déjà un petit moment, j'étais cadet, donc je crois que mon premier championnat de France c'était en 97. Ouais, c'est ça. Là. Donc j'ai commencé le cyclocross à l'école de vélo à l'âge de 8 ans. Donc, c'était où? C'était à Flers. L'école de cyclisme de Flers, cycliste 61, entraîné par mon père pendant 25 ans. Puis après j'ai fait plus de 20 ans à Flers et après ça fait 10 ans que, t'es à Rouen. Que je suis à Rouen maintenant, donc voilà, ça fait 30 ans de vélo. Donc. T'as préféré le cyclo que la route parce que t'as fait les deux pendant un petit moment, c'est ça? J'ai toujours fait un peu de route pour préparer le cyclocross. En fait, j'ai toujours aimé le cyclocross et je voulais en faire vraiment ma discipline. Et quand je suis arrivé au Pôle Espoir dans les années lycée, Lionel Marie m'a dit si tu veux être un bon crossman, faut que tu fasses de la route. Donc c'est là que j'ai pris vraiment conscience que la route était un appui pour le cyclocross. Donc c'est pour ça que j'en ai fait. Pas à un grand niveau, mais j'étais deux fois champion de Normandie deuxième catégorie, donc quand même. Et puis ça m'a permis de faire de bons résultats au niveau de du championnat de France et de la Coupe de France. Et puis c'est vu aussi que depuis deux ans, j'ai délaissé un peu la route et au niveau résultat national, c'est un peu moins bien. Donc c'est un peu aussi pour ça. Mais après, il y avait la vie de famille aussi. Quand on est parti tous les week-ends, toute l'année, faut laisser un peu de temps. Qu'est-ce qui te plaisait dans le cyclocross? Le cyclocross, c'est quand même très technique, très tactique. Très physique et sur une heure, faut pas se louper. On a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu, les crevaisons, les chutes. J'ai vu ça aujourd'hui, j'ai eu les deux ensemble. Donc pour essayer de gagner, faut pas être non plus le plus fort, mais des moments aussi être le plus tactique et le plus équilibriste. D'accord. Alors tu as gagné combien de victoires? Parce qu'on t'a vu tous les ans, évidemment. Cette année, apparemment, c'était ma 12e, c'est ça, aujourd'hui. Ouais. Donc, mais sur ma carrière, je ne les ai pas comptés. T'as pas compté, non? À part les titres de champion de Normandie qui sont à 15. Voilà, après. J'ai une formation de comptable à l'école, mais je n'ai jamais compté vraiment les victoires. Alors, quel sera ton meilleur souvenir, ton meilleur résultat? Le championnat de France beaucoup, mais mon meilleur résultat, c'est quand même une 4e place au championnat de France à Besançon. C'était en quelle année? Il y a 4 ans, donc juste derrière 3 professionnels quand même. J'étais le premier amateur et derrière, aussi une 3e place à la Coupe de France au général. Plus deux podiums de Coupe de France. Donc j'ai une belle carrière. Après j'ai jamais été là pour faire des résultats ou pour comptabiliser des victoires. J'ai toujours été là pour faire plaisir avant tout. Et les résultats sont venus au fur et à mesure. Alors si tu avais vraiment un lieu où ce qui t'a vraiment plu dans le cyclocross, c'est où? Il y en a plein. Les courses en Bretagne, en Normandie, enfin. Moi j'ai connu les tout débuts de Flamanville, maintenant c'est devenu un circuit de championnat de France et voir peut-être bientôt, j'espère, une Coupe du Monde. Donc il y a plein d'endroits où j'ai de bons souvenirs, à Deauville, chez moi à Flers, à Monsbray, enfin il y a plein d'endroits où j'ai apprécié à venir, il n'y a pas beaucoup d'endroits où j'aime pas revenir en cyclocross. C'est ça le truc, c'est que j'aime participer à tous les cyclocross que j'ai fait, j'ai toujours eu un bon souvenir, même s'il y a eu des résultats un peu moins bons, mais... J'ai toujours eu des bons souvenirs je reviens toujours agréablement sur tous les circuits de cyclocross que j'ai fait. Alors comment va se passer samedi prochain à Vimoutier? C'est quoi? Il y a une fête, je vois que tu as toujours des supporters qui viennent avec toi. Une fête surtout le soir avec vraiment les proches du vélo, tous mes anciens coéquipiers ou concurrents. Ils seront là le soir pour faire la fête le soir, mes entraîneurs, mes présidents de club, mes parents bien sûr avec ma famille. Mais l'après-midi, ce sera vraiment une journée, je trouve, plaisir. Même si le circuit va être vraiment dur avec les conditions météo qui sont là, donc on va bien voir. Après, je veux que ce soit la fête du cyclocross et après, il y aura une course. S'il y a la course à faire, il y aura une course. Et s'il y a des incivilités à faire, on peut être aussi là aussi pour rigoler. Ce sera vraiment la fête. Voilà. Et là, ce sera donc samedi soir, là, tu poses vraiment le vélo. Je poserai le vélo en compétition pour la...
pour la dernière fois. Est-ce qu'il y a des adversaires avec qui tu t'es bien battu, vraiment c'était quelque chose d'intéressant, Il y en a eu beaucoup. Après, dernièrement, il y a eu Arthur Tropardi. Bien sûr. Après, avant, il y a eu Ludovic Merlier. Tu connais bien. Qui est mon beau-frère maintenant. J'ai eu aussi Stéphane Belot, où on a fait de belles bagarres, où on s'est battu vraiment depuis les jeunes catégories. Et puis, bien sûr, mes équipiers qui étaient à Flair, Francky Théo et Laurent Lecoeur. Après, il y a eu les frères Bréard, Sébastien Rioux. Enfin, j'ai eu beaucoup d'adversaires, mais je pense que mes adversaires ont été là aussi pour... je les ai toujours considérés comme des adversaires, mais je les ai toujours respectés. Donc, même si c'était la guerre sur le vélo, en dehors, ça a toujours été bonjour et au revoir. D'accord. Ok. Eh ben merci et puis bravo pour cette magnifique carrière, Julien. Merci beaucoup. Au revoir.